Ce matin, en allant au collège, je regarde mon téléphone et je vois ça. Une submersion marine prévue le 7 avril sur Blériot-Plage, la ville rayée de la carte. Apparemment, je ne suis pas la seule à avoir vu l'info. Au collège, tout le monde la partage. Puis Robin se demande. On peut vraiment avoir une submersion marine le 7 avril à Blériot-Plage ? Allons vite trouver des professeurs pour en savoir plus sur cette info-choc. Submersion marine ? Vous êtes sûr de ça ? Vous pourrez peut-être prévenir Madame Berriati s'il faut mettre en place un PPMS ? Un PPMS, mais qu'est-ce que c'est ? Allons voir Madame Berriati à l'intendance. PPMS est un plan de mise en sécurité des personnes. Pour bien distinguer quand c'est une submersion marine... Madame Berriati nous explique qu'une alerte de la mairie déclenchera le PPMS au collège. Nous devrons rester en confinement à l'étage. Et plus elle nous parle, et plus on imagine ça. Surtout, ne paniquez pas. Ce n'est pas un exercice. Tu parles qu'on ne panique pas. Une submersion marine de prévu, il y a de quoi se sauver. Puis Lali se demande... Et attendez, quelqu'un a pensé à vérifier les sources? C'est peut-être une fake news. L'information paraît pourtant bien crédible. Bah oui, souvenez-vous de nos cours. Alors on rappelle bien, suite au cours, hein, que le risque est égal à l'enjeu plus... L'aléa. Entre les profs d'histoire géo ou de SVT qui nous parlent des risques et des dunes depuis la 6e. Retournons vers Madame Berriati. Avez-vous entendu parler d'une submersion marine le 7 avril ? Non, à ce jour, nous n'avons pas encore eu d'informations, ni de nos autorités, ni de la mairie. Nous sommes dans l'attente. Robin propose alors... Allons demander à quelqu'un de la mairie. Bonjour, Pascal Dubus, adjoint au maire de Sangatte, chargé du littoral. Est-il possible d'avoir une submersion marine à Sangatte-Blériot-Plage ? Le risque de submersion marine existe effectivement à Sangatte, puisque nous sommes une région côtière sous le niveau de la mer. L'aléa est très fort à fort sur Sangatte et moyen à faible sur Blériot. La tempête Xynthia en 2010 lance le plan de prévention des risques naturels. Pour nous protéger, la digue de Sangatte vient d'être reconstruite par l'État. En prévention, la mairie travaille au dispositif d'information et d'alerte des populations. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une submersion marine le 7 avril sur la commune de Blériot-Sangatte ? Alors d'abord, il faut regarder les coefficients de marée. Ensuite, tout est possible. Ça m'étonnerait. Scientifique du laboratoire d'océanologie et de géosciences est mentionné dans l'article. Allons demander à un scientifique du LOG. Qu'est-ce qu'une submersion marine ? Alors une submersion marine, c'est un phénomène qui se produit surtout lorsqu'on a des phénomènes de surcote qui se produisent. Un dépassement anormal du niveau de la marée, souvent à cause de la météo, combiné à de gros coefficients, vont entraîner l'inondation du pôle d'air, dont le niveau est ici un peu inférieur à celui de la mer. Donc potentiellement ça peut arriver, mais il y a très peu de chances que ça arrive. Tant qu'on a des dunes, tant qu'on a des digues, il n'y a pas de raison que ça passe par-dessus. Parce qu'on n'a pas de surcotes qui se produisent avec des hauteurs d'eau de 5, 6 mètres, voire 10 mètres pour passer par-dessus les dunes. Donc tant qu'on a des dunes, c'est bon. Alors, à savoir si ça peut se produire le 7 avril, alors là, ça, on peut absolument pas prévoir quand se produiront des submersions marines. Ça, on peut pas le savoir. On peut savoir qu'il y a des zones qui sont plus menacées que d'autres. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec le scientifique Jacques Boudreau ? Je connais des Jacques, mais je connais pas Jacques Boudreau, donc ça ne me dit rien du tout, et en tout cas, ce n'est pas quelqu'un de bluff. C'est bien une fake news. Rien n'est prévisible, même si une submersion pourrait avoir lieu. Pas de soucis pour eux, submersion ou pas, ils sont prêts pour le 7 avril.